cominciamo. Sì? No, mi scende, io vorrei farti tante domande, ma siccome ho visto proprio ieri il documentario che hai fatto su Chomsky, mi sono segnato le cose, e sono le stesse domande alcune che tu hai fatto. Solo per cominciare. E ero curioso di chiederti la tua prima memoria della tua moglie. Mon premier souvenir, c'est je crois que c'est 3 ans, le premier jour de l'école, je ne connaissais personne. Et j'ai regardé par-dessus le radiateur, au fond de la classe, il y avait le seul copain que je connaissais. Il primo ricordo avevo 3 anni, il primo giorno di scuola, non conoscevo nessuno, ho guardato sopra il piano sifone e ho visto un mio amico, gli ho fatto ciao. E giusto il deuxième, peut-être, c'est on avait des billes pour jouer dans la cour et j'avais fait tomber mon sac de billes et tout le monde s'est précipité pour les jouer voler. E il secondo ricordo avevo un sacchetto di biglie e le ho fatte cadere nel cortile e tutti si sono precipitati per le guardie. Vabbè, un'altra cosa che mi aveva curiosito è che secondo me può avere una relazione con quello che poi hai scelto di fare. E qual era la tua prima ambizione da bambino? Je voulais être inventeur. Ou peintre, artiste. Volevo essere un inventore o un pittore, un artista. Quindi sei riuscito a fare proprio quello che desideravi. Quand j'ai trouvé l'utilisation de la caméra, me permettait d'être un peu entre les deux. Quando ho trovato il modo di utilizzare la telecamera, mi ha permesso di essere tra i due. Pas tout à fait peintre et pas tout à fait inventeur. Proprio inventore, non proprio pittore, in mezzo. E hai iniziato prima come inventore o... Inventeur, c'est un peu un grand mot, disons qu'avec l'ego, je faisais des machines ou des mécanos, et avec du bois. Mais c'était pas des grandes inventions, c'était des jouets, quoi. Inventore è una parola un po' grande, però con l'inizio della... Lego? Del Lego o... Meccano. E del meccano si è un Lego. Il metallo, metallico. Del bois. E anche del legno, ho iniziato così a essere un inventore. E so che tu hai cominciato prima come musicista, la tua... attività professionale e poi sei diventato regista. C'est-à-dire que j'étais dans une école de dessin et on a monté un groupe de punk rock dans l'école de dessin et après j'ai fait des clips pour le groupe en animation. Sì, ero in una scuola di disegno e poi c'era un gruppo di musica punk rock e dopo ho fatto dei clip di animazione per questo gruppo. Quindi il primo approccio con la macchina da presa è stato proprio una necessità? Di tradurre... J'aimais l'animation, j'avais fait des essais d'animation sur les flipbooks, sur les bouquins de la bibliothèque de chez moi. Flipbook. Amavo l'animazione, avevo fatto delle prove sui flipbook. C'est quand on dessine un dessin sur le bord du livre, après on... Quando si disegna un disegno sul bordo... Immagini il movimento quando muovi i polli, no? Velocemente c'è un... J'ai toujours aimé l'animation. Ho sempre amato l'animazione.
vous che quando si disegna sul bordo del libro e si fa così, si fa così, diciamo, immagina il movimento. L'immagine. E quindi di solito da dove nasce l'ispirazione? Mon expérience, mes rêves, et puis les choses que j'ai pas pu réaliser, que j'ai pas pu réaliser dans la vie et que je fais dans les films. La mia ispirazione viene dalla mia esperienza, dai miei sogni, da tutte le cose che non ho potuto realizzare nella mia vita e che realizzo attraverso i miei film. Quindi di solito parti più da un'esigenza espressiva o più legata al linguaggio, insomma, al gusto di sperimentare un linguaggio, al piacere di sperimentare un linguaggio. Disons, c'est raconter une histoire, mais c'est pas forcément avec des mots, ça peut être avec des images, mais c'est. Raconter, que ce soit les clips ou les films, c'est raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Sì, e soprattutto il piacere di raccontare una storia con delle parole, ma non per forza con delle parole, con delle immagini anche. Raccontare una storia è un inizio, una storia e una fine. Et que à la fin de l'histoire, on ait l'impression d'avoir vécu quelque chose ou d'avoir voyagé. E alla fine della storia bisogna avere l'impressione di aver vissuto qualche cosa oppure di aver fatto un viaggio. Quindi quando hai cominciato a fare i videoclip era una forma espressiva ideale perché c'era una storia e tu la potevi raccontare con il linguaggio che... Oui, je basais sur... ça dépendait. Au début, je voulais juste raconter une petite histoire, comme le dessin animé que j'avais vu étant petit, avec des personnages et voilà, des décors, etc. All'inizio volevo soprattutto raccontare una storia, come il cartone animato che avevo visto da piccolo, con dei personaggi, una storia e delle immagini. Et après, je me suis... j'essaie de comprendre ce que le musicien ou le chanteur voulait exprimer dans sa chanson et je le prolongeais dans le clip tout en essayant de trouver une histoire qui puisse, pareil, avoir un début et un milieu et une fin. E dopo provavo a capire ciò che il musicista voleva esprimere nella sua canzone, provavo a renderlo in questo clip con una storia che avesse un inizio, una storia e una fine. E parfois l'histoire n'existe pas dans la chanson, c'est des sentiments un peu en vrac, et moi j'essaie de retrouver une histoire tout en respectant le sentiment du groupe, du chanteur. Talvolta la storia non esisteva nella canzone, allora tentavo di ricostruire una storia rispettando i sentimenti del gruppo e di ricrearlo nel clip. Et parfois aussi, j'avais une idée de départ, et le clip c'était comment utiliser cette idée. Vraiment en gardant la même idée pendant tout le clip, mais en la développant le plus possible. Et talvolta avevo un'idea in partenza, et il clip era come utilizzare questa idea, sviluppando, rispettando l'idea in tutto il clip. Par exemple, pour le clip de Daft Punk, chaque groupe de musiciens, chaque groupe de danseurs représente un instrument. Et une fois qu'on établit ça, toute la chorégraphie est basée entièrement sur la musique et vraiment l'idée est poussée au maximum. Par exemple, dans le clip de Daft Punk, ogni gruppo rappresenta un strumento et il clip est basé sur... Le clip est basé sur exactement calqué sur la musique. Exactement calqué, applicato à la musique. Et je poursuis l'idée jusqu'au bout sans dévier. Proseguo la mia idea fino in fondo senza sviare dall'idea. Pour moi, surtout pour le clip, c'est important de respecter l'idée et d'aller jusqu'au bout sans compromettre. Per me è importante in un clip di rispettare l'idea di partenza fino in fondo e senza compromettere la prima idea durante tutto il clip. Quindi il linguaggio poi è una scelta successiva, no? Da usare l'animazione, il fastuno, i pupazzi,
delle riprese in bianco e nero. Successivo, cioè tu hai questa idea di partenza che è legata appunto a un'immagine oppure a una idea di racconto. Dopodiché scegli quello che è il linguaggio più adatto. Sì. Oui, c'est-à-dire que j'ai, je m'imprègne de la chanson et après une histoire me vient et je trouve le meilleur moyen de l'interpréter. Et si ça coïncide avec une idée que j'ai eue avant, je greffe les deux ensemble pour faire une seule idée. Mi impegno mi medesimo con la canzone e poi dopo vedo se coincide con una delle idee che avevo in partenza, la faccio coincidere da tua l'idea che avevo in partenza del videoclip. E hai detto che appunto all'inizio non ti facevano fare le idee che realizzare le idee che avevi, no? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais fait 6 clips pour mon groupe Oui, mon groupe que j'avais formé dans l'école de dessin, et qui était, je pense, très originaux. Et mais après, les gens avaient peur d'être dans un univers aussi bizarre. Avevo fatto 6 clips per il mio gruppo che avevo formato nel mio gruppo di disegno, che si chiamava Oui, però nessuno li voleva, avevano paura di ritrovarsi in un universo troppo strano, troppo bizzarro. E c'est que quand j'ai rencontré Björk, qui a beaucoup aimé ses films, ses clips, qui elle m'a demandé de faire des choses aussi originales pour elle, et à partir de là j'ai pu travailler de manière originale à chaque fois. C'est solo con il mio incontro con Björk che ha voluto che facesse di questi clip originali che dopo ho avuto modo di poter applicare le idee originali in altri clip. Come presentavi le tue idee originali? Con disegni, con... Tu hai detto prima hai fatto una testa di Lego, cioè... Oui, ça dépend. Parfois je faisais des maquettes avec du carton et du papier. A volte facevo delle maquette con del cartone, della carta e cartone. Par exemple, la première fois que j'ai été en Angleterre pour faire un clip, le groupe ne comprenait pas un mot de ce que je disais. La première fois que j'étais en Angleterre pour faire un clip, le groupe ne comprenait pas une parole de ce que je disais. Donc je suis rentré chez moi, j'ai fabriqué une maquette pour qu'ils comprennent l'idée. Et donc je suis retourné à casa et j'ai fabriqué une maquette, un modellino, pour qu'ils potessero capire. Et pour une fois avec, j'avais fait un film où je m'étais filmé Bex, donc j'avais montré l'idée avec un petit film où je me mettais en scène dans la situation où lui serait. E poi per Bec ho fatto un piccolo film in cui mi sono messo io stesso nella situazione dove sarebbe stato lui poi nel clip. Ah, quindi a seconda delle tecniche che usi trovi un modo per stendere l'idea. Cioè non sempre fai uno storyboard. No, ma parfois fai un storyboard. C'è anche a volte faccio anche uno storyboard. Mais ou alors j'écris un texte. Ou écrire un texte. Ce qui est très important, c'est quand je fais le clip, je relis le texte sans arrêt pour faire aller jusqu'au bout de l'idée que j'ai proposée, pour pas me faire mentir. C'est-à-dire pour faire ce que j'ai promis. Sì, molto importante quando faccio un clip vado fino in fondo alla mia idea, fino alla fine, per poter produrre quello che ho promesso, per non mentire, andare in fondo alla mia idea. Parce que pour moi c'est très important de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Per me è molto importante arrivare in fondo a quello che si dice che si ha intenzione di fare. E quando on écrit l'intention d'un film ou d'un clip, on écrit un peu plus que ce qu'on pense pouvoir faire.
quando si scrive l'intenzione di un film, si scrive sempre più di quello che uno pensa poter fare. Et en fait, quand on le fait aussi, on va un peu plus loin que ce qu'on pensait qu'on pourrait faire. Donc ça égalise. Et anche quando si fa avec un film, si va sempre un po' più oltre, un po' più lontano di quello che si pensava poter fare. Per cui, alla fine, uno arriva pari. Parce que c'est au départ une sorte de manque de confiance, et finalement, la réalisation permet de se dépasser et de se mettre au niveau de ce qu'on a promis. Se non si tratta di una mancanza di fiducia e la realizzazione di un clip permette di mettersi a livello di realizzare quello che si è promesso di realizzare. Sì, quindi insomma devi avere una padronanza tecnica profonda. Insomma, tutti i tuoi capi collaboratori, per esempio, come dice. Bah, c'est-à-dire que comme j'ai commencé en faisant tout moi-même, je sais ce qui est possible de faire ou ce qui est impossible de faire. Siccome ho iniziato facendo tutto da solo, per cui so esattamente cosa è possibile fare o non fare. Donc pour moi c'est important d'avoir des techniciens qui ont une ouverture d'esprit et qui sont prêts à expérimenter des idées. Et per me è molto importante avere sotto a capo dei tecnici che sono aperti, che hanno un'apertura di spirito mentale e che sono pronti a sperimentare nuove idee. E che sono prêts a sortir de leurs habitudes. E che siano pronti a uscire dalle loro consuetudini, le loro abitudini. Sì, quindi all'inizio facevi tutto da solo e quando è che hai cominciato a utilizzare altre persone? Collaboratori, insomma, per fare quel lavoro. Perché i lavori diventavano più complessi. Oui, et le fait d'intégrer des personnes dans l'univers animé, ça devenait plus lourd comme tournage, plus complexe. Donc là, j'avais besoin de techniciens pour accomplir les idées. Sì, il fatto di integrare delle persone nell'universo animato diventava un po' più pesante, difficile e complesso, allora avevo bisogno di altre persone per aiutarmi. E c'est venu progressivement. Au début, il y avait 3 collaborateurs, ensuite 5, ensuite 10, ensuite 20. Et parfois, j'ai fait des films où il y en avait 100. Et là, maintenant, j'en suis à un point où j'ai envie de revenir à une petite équipe de 12, 15. Et progressivement, les collaborateurs sont aumentés à 3, sont passés à 5, 10, 20, et talvolta ho fatto anche des films con 100 collaboratori. Però in questo momento voglio ritornare un po' indietro, in modo più semplice, con 10, 15 collaboratori. Sì, perché deve essere difficile spiegare quello che hai in testa, soprattutto quando ci sono idee così. Idee così complesse, insomma, non realistiche. Et c'est-à-dire que quand il y a 100 personnes, il faut convaincre. On a 100 personnes contre lesquelles il faut se battre parce qu'ils ne croient pas que c'est possible de faire ce que j'ai envie de faire. Et quand il y en a 5, il n'y a que 5 personnes contre lesquelles il faut se battre. Quand il y a 100 personnes, bisogna convincere 100 persone, bisogna battersi contro 100 persone per convincerle che quello che voglio fare è possibile. E quando ce ne sono 5, sono solo 5 persone da convincere che è possibile. E se non si è molto più facile. Poi ho visto che insomma ogni a parte il linguaggio che cambia sempre, insomma, ci sono tantissimi riferimenti al cinema del passato, al cinema dell'animazione, al musical. Volevo sapere come hai formato la tua cultura cinematografica. J'aimais bien les films pour enfants quand j'étais petit, puis les comédies quand j'étais plus grand, mais j'étais pas spécialement cinéphile. Avevo avuto i film per bambini quando ero piccolo, poi le commedie, ma non ero particolarmente cinefilo. E après, quand j'ai commencé a fare des clips e des films, je me suis intéressé plus aux auteurs, au cinéma, plus de cinéfilm, et c'est venu plus tard. E dopo, quando ho iniziato a fare le clip e dei film, mi sono interessato al cinema degli autori, ma tutto ciò è venuto molto dopo. E j'aimais bien écouter ce que les réalisateurs, la philosophie des réalisateurs,
tout en sachant qu'ils disaient toujours le contraire chacun de l'autre. Donc c'était intéressant à écouter, mais on considérait pas, chacun avait une vérité différente, donc il fallait en être conscient. E mi piaceva molto ascoltare la filosofia dei registi, però ero molto consapevole che ognuno diceva il contrario di quello che diceva un altro, per cui bisognava essere consapevole di questo, però mi piaceva ascoltare loro con le loro contraddizioni. Posso chiedergli, scusami Massimo, ha citato il cinema di animazione cecoslovacca di Oggetti, se gli piace molto Jan Švankmajer. Oui, bien sûr, j'aime bien, et encore plus Bratislav Pojar. Et mi piace ancora di più Bratislav Pojar. Pojar. Il y avait Lolek et Bolek, je crois que c'était polonais. Lolek et Bolek, il y a polaco. Lolek et Bolek. Il y a polaco. Si, il y a polaco. Il y a un petit topo. Un petit topo. Krečik. 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 Poi si è passato indifferentemente da un materiale all'altro, anche quello è tuo, sei tu che ti avvicini alla materia prima dei tuoi collaboratori, insomma, sei tu che decidi, sei Gold. Oui, oui, bien sûr. Oui. Sauf que j'ai fait un film avec la Madame Mollet. Solo che non ho mai fatto un film con la Pata Mollet e quella pasta che lavorano i bambini. Sì, la pongo. Pongo. La pasta è troppo, c'è pas des objets durs. Pomoscio, non sono objets durs. Sì, come una creta gommosa. La communication, c'était parce qu'au départ, j'étais quelqu'un de très timide. Je m'exprimais plutôt par le dessin, et donc j'avais du mal, peut-être, j'étais timide pour m'exprimer, ou pour m'exprimer en public, en tout cas. Et la mancanza de communication, c'est parce que à l'inizio, da giovane, ero molto timido, facevo molta fatica ad esprimermi, comunque, in pubblico. Et aussi, j'avais la mauvaise communication parce que j'habitais aux États-Unis et je parlais très mal l'anglais. Et donc, ça m'a conduit dans des situations de relations où j'interprétais certains mots ou certains signes comme étant des signes romantiques, alors que ce n'était pas. Mi ha messo in situazioni nelle quali interpretavo certe parole o certi segni come dei segni romantici, mentre non lo erano assolutamente. Par exemple, il y avait une fille dont j'étais tombé amoureux, qui on devait aller voir un film ensemble, et elle m'avait dit que ce serait une date. Ad esempio, c'era una ragazza che mi piaceva molto, mi ero innamorato, e io dovevamo andare a vedere film insieme, et m'a dit que sarà un date. Moi je pensais que le mot date ça devait dire qu'on s'embrasse. Mais elle n'avait pas du tout vu comme ça. Donc c'est là-dessus que j'ai fait La Science des Rêves. Et dopo questo ho fatto il film La Science des Rêves. En gros, hein, c'est vraiment simplifié. Mais sinon, le manque de communication, oui, ça vient peut-être de là. Forse viene da lì la. Tema della mancanza di comunicazione. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se passe souvent entre deux personnes, c'est que chacun a une mauvaise compréhension de ce que l'autre dit et donc on se fait sa propre idée qui ne correspond pas à la réalité. C'est quello spesso che succede tra due persone, uno ha non una buona comprensione di quello che dice o pensa l'altro e uno si fa la propria idea che non è quella corretta. Et alors, par exemple, sur les tournages, il y avait aussi beaucoup de problèmes de mauvaise communication. Et anche durant les riprises, spessissimo, c'erano problemi di pessima comunicazione, mancanza di comunicazione. Par exemple, il y a un mot qui s'appelle quiproquo. C'est une parole française, quiproquo, alors, en français, ça veut dire que on pense que l'autre pense la même chose que soi. Mais l'autre pense le contraire et on continue de parler tout en pensant que l'autre se comprend alors qu'on parle du contraire. In francese vuol dire che uno pensa che l'altro
parla la stessa cosa che se stesso, però invece vuol dire il contrario, e uno continua a parlare senza sapere che ha parlato come se è il contrario. E in inglese, quiproquo, ça veut dire status quo, ça veut dire je te donne ça, je te donne ça et tu donnes ça, et on est à égalité. In inglese vuol dire status quo, io ti do questo e siamo uguali. Ok, alors quand je voyais deux personnes qui parlaient, je leur disais, vous comprenez pas, il y a un quiproquo. E quando vedevo due persone che parlavano, mi dicono, non capite, c'è un quiproquo. Et eux disaient oui oui c'est vrai c'est bon. Donc en disant qu'il y avait un quiproquo, je vivais moi-même un quiproquo. Et ça va poser des gros problèmes. Anche perché se raccontavi poi delle storie dove c'erano dei personaggi che avevano a loro volta dei problemi di comunicazione. Oui, mais par exemple, dans le documentaire avec Noam Chomsky, il y a des fois où j'essaie d'exprimer un mot pendant 5 minutes c'est impossible, quoi. Alors c'était assez paradoxal parce que c'est un film sur la linguistique. Par exemple, dans le documentaire avec Noam Chomsky, il y a des moments où je tente de parler d'une parole pour 5 minutes. E non riesco a comunicarlo, è difficile perché è un film sulla linguistica. E allora ce che était drôle, c'est que j'avais ma copine à l'époque, j'essayais de lui parler, par exemple, et elle ne comprenait pas ce que je disais, elle critiquait mon accent. Ad esempio, avevo all'epoca una ragazza e tentavo di parlargli e non capiva cosa volevo dirgli, lei criticava il mio accento. E je lui disais tais-toi parce que demain je vais parler au plus grand linguiste du monde. Stai zitta perché domani parlerò al più grande linguista del mondo. Ma molto divertente il documentario, devo dire che ho capito più dal documentario quello che diceva Chomsky leggendo Chomsky. Perché io posi delle questioni bête? Faccio delle domande stupide. Sì, no, molto, però era il modo migliore per capire. Oui, disons, je faisais pas semblant de comprendre quand je comprenais pas. Non facevo finta di capirlo quando non lo capivo. Sì, e questo poi l'ho trovato comune anche ad altri film, cioè la scelta di parlare di qualcosa di molto complesso attraverso da raccontare con le immagini. Però poi ci riesce. Ah. De quel film par exemple? Ma tutti, anche quello di come si dice Eternal Sunshine per esempio. Cioè entrare nella memoria, nella testa di una persona, no? Oui, beh, en tout cas, je sais pas si ça correspond. Si ça correspond exactement à ce qu'il disait, mais je suis très intéressé à ce qui se passe dans la tête, même physiquement, dans le cerveau, comme un système nerveux. Non so se corrisponde esattamente a quello che diceva la persona, però sono molto interessato a quello che interviene, quello che esiste nella testa, anzi nel sistema nervoso quasi. Parce que les gens, excusa, mais les journalistes ont tendance à vouloir trouver un thème commun dans les films, et moi je le vois pas forcément. I giornalisti tendono sempre a cercare un tema comune nei film, ma io non vedo per forza. No, ma io non sono un giornalista. D'accord. Vedo che ci sono delle cose che ritornano. Ma c'è per ça che... Oui, oui, je pense que de toute façon on parle de soi, qu'on le voglia o no, dans ces films. Che uno lo voglia o no, parla di sé nei pochi film. Sì, no, quello che mi incuriosisce è che sono concetti complessi da visualizzare, scegli sempre delle cose molto...
una scommessa, insomma. Oui, mais comme je viens d'un... Comment dire? Disons que quand j'ai commencé à faire des films, je parlais d'une personne ou de deux personnes. Quando ho iniziato a fare dei film, parlavo di una o due persone. Et après, j'ai essayé de m'étendre, où j'ai parlé de plus de groupes, de communautés. Et poi ho provato ad allargarmi, a parlare di gruppi, di più persone, di comunità. Comme par exemple, Soyez sympa à Robinet, où il y a une communauté qui se forme. Soyez sympa à Robinet. Be Kind Rewind. Ah, come ad esempio nel Be Kind Rewind, ho parlato di più persone. Oui, et ça faisait, il y avait une certaine histoire de communauté. Più persone, era la storia di una comunità, praticamente. Et dans The We and the I, c'était le principe d'un groupe qui rend les gens plus superficiels que deux individus ensemble. Et dans l'autre film, c'était le principe d'un groupe qui riesce à rendre les personnes beaucoup plus superficielles que deux personnes ensemble. No, perché non hai un rapporto così materiale come invece lo hai con Tepedeco. No, per esempio, j'ai pas de iPhone parce que j'arrive pas à faire marcher les touchscreen. Non, 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 j'arrive pas à faire comme ça. Je vais tout ça. Je vais tout ça. Je vais tout ça. Je vais tout une image après la première, la prochaine génération d'images. Vorrei provare ad riuscire ad immaginare ciò che potrà essere un'immagine dopo la prossima generazione di immagini. Parce que quand on regarde les dessins animés abstraits de Oscar Fischinger, par exemple. Quando si guarda ad esempio i disegni animati, i cartoni animati di Oscar Fischinger. C'est vraiment ça a vraiment inspiré le style d'image qu'on voit dans les ordinateurs maintenant. Hanno ispirato assolutamente lo stile delle immagini dei computer che vediamo oggi. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce qui sera plus tard. Provare a immaginare ciò che sarà più avanti. Et ça, c'est un autre travail que de faire des films. Des films de fiction, c'est autre chose. C'est un autre travail, une autre chose que faire des films de fiction. Et donc, del 3D, non te la frega. Del 3D, non t'intéresse comme méthode. Si, j'en ai fait pour le Green Hornet. Si, j'en ai fait. Non l'ho visto. J'aime bien la 3D parce que mon grand-père faisait. La 3D et on voyait des images en stéréo quand j'étais enfant, on m'en voyait déjà. Mon nonno faceva del 3D e si vedevano già le immagini in stereo quando ero bambina. Et j'avais des idées pour le Green Hornet que les producteurs avaient du mal à comprendre. E avevo delle idee che i produttori faticavano a capire. Par exemple, je voulais, quand il y a une explosion, parce qu'il y avait beaucoup d'explosions. Quando c'è un'esplosione, c'era molte esplosioni. La fumée, elle entrait dans la salle avec l'effet de relief. Volevo che il fumo entrasse nella sala con un effetto di rilievo. Et quand le plan changeait derrière, je voulais que la fumée reste dans la salle. E quando cambiava il piano dietro, volevo che il fumo rimanesse nella sala. Donc j'avais fait un système où dans le plan suivant, on voyait encore de la fumée, mais avec la stéréo, on avait l'impression que la fumée était restée dans la pièce comme si l'explosion avait eu lieu dans la pièce. Però avevo fatto un sistema che il fumo, quando cambiavo piano, che il fumo rimaneva nella stanza dopo l'esplosione, come se fosse rimasto dopo l'esplosione nella stanza del fumo. E là i produttori non comprendevano niente. Ma i produttori non capivano niente. E non ho potuto farlo. E quando allestisci un set, per esempio, parlo dei videoclip, ma per dire insomma che ogni immagine, ogni inquadratura che fai è molto ricca di cose. Perché ci sono più piani, c'è per esempio la coreografia, ci può essere il disegno animato, ci può essere, insomma ci sono tante cose insieme. Come fai a gestire tutte queste cose? Je fais des dessins pour les plans où il y a
y a plein de départements qui sont impliqués. Faccio dei disegni per i piani dove ci sono molti elementi implicati. Oui, ou des techniciens de différents départements. Molti tecnici sono implicati di diversi reparti. Pour que tout le monde comprenne la même chose. Perché tutti possono capire la stessa cosa. Et mais j'essaye de ne pas faire trop de storyboard pour garder la liberté, surtout pour les acteurs, et pas les coincer dans un univers trop fort. Però tento di non fare troppi storyboard per mantenere, lasciare agli attori la loro libertà, non chiuderli in un univers, in un quadro troppo ristretto. J'essaie le but pour moi c'est de créer une vie qu'on va capturer avec le plan. Per me l'obiettivo è di creare una vita che si potrà catturare con il piano. E qu'on a l'impression de regarder des extraits de la vie plutôt que toujours des éléments qui font partie d'une histoire qu'on raconte. In modo che si possa avere l'impressione di catturare dei pezzi di vita piuttosto che di raccontare una storia. Oui, c'est-à-dire que il ne faut pas que chaque plan soit juste un élément d'une histoire, mais chaque plan doit être aussi un élément de la vie. Un piano deve diventare un elemento della vita e non solo un elemento di una storia. Mais je ne sais pas si je réussis parce que je n'arrive pas à savoir si mes films sont bien ou pas. Non, sauf si je suis réussi, parce que je n'arrive pas à savoir si mes films sont réussis ou pas. Parce que c'est. Le film, il y a tellement d'aventures et de mésaventures et de difficultés que quand on regarde le film, on se souvient plus de ça que de l'histoire. Il y a tellement d'aventures, d'aventures, difficultés que quand on se regarde le film, on ne se rappelle plus de ces difficultés que de toute la storia. Parce qu'on a tourné un film de 2 heures en trois mois, et c'est difficile de voir l'ensemble. Perché ad esempio abbiamo messo 3 mesi a girare un film di 2 ore ed è molto difficile vedere il lavoro nel suo insieme. Se lavori tanto poi in post-produzione, lavori molto in post-produzione. J'essaie de ne pas faire trop de post-production et c'est pour ça que je prépare beaucoup les choses avant parce que j'aime pas, bon, par exemple j'aime pas les fonds bleus. Poca post-produzione e per quello che lo preparo molto bene prima e ad esempio non mi piacciono i fondi blu. E perché io trovo che ça tue la vie, ça tue le jeu des acteurs. Perché secondo me uccide la vita e anche la recitazione degli attori. Donc j'aime mieux filmer par exemple les animations à l'avance et les projeter sur des écrans. Preferisco filmare le animazioni in anticipo e proiettarle poi sugli schermi. Devant lesquels je mets les acteurs et après je refilme le tout. Quali metto i miei attori, poi filmo un'altra volta il tutto. Ah, quindi per esempio l'arte del sogno, tu avevi l'immagine proiettata e l'attore. Oui, tous les éléments d'animation étaient toujours projetés. On les avait filmés 6 mois à l'avance. Nous avons filmé tous les éléments d'animation 6 mois en anticipo. Et alors c'est très difficile parce que les producteurs ont l'habitude de faire tout ce qui est animation et fait après le tournage. C'est difficile, les producteurs, ils sont habitués à faire l'animation qui est faite après les riprese. Et là, on les a fait avant le tournage. Et comme on ne sait jamais si le film va se tourner ou pas, on prenait un risque. Comme si on ne sait jamais si le film va terminer ou non, prendevamo un risque. Et comment fai à faire interagir les attori con tutte queste, con questo mondo di invenzioni tecniche? Il faut, c'est une question de timing. C'est un fatto di timing. C'est-à-dire que je sais que l'image projetée va démarrer à tel moment et que l'acteur doit faire telle chose à tel moment. Que l'image projetée va commencer à un certain point et que l'acteur commencera à un autre point et terminera à un autre point. Et toute la difficulté, c'est de laisser l'acteur vivre et même donner la possibilité d'improviser dans un contexte assez rigide. Et la difficulté est de donner à l'acteur la possibilité de réciter et de vivre dans un contexte comunque abbastanza rigide. Et j'en ai un peu marre de faire ça, donc le prochain film, je ne ferai aucun effet. Je suis un peu souffre de faire ça, parce que le prochain film, je ne ferai aucun effet.
La première fois que j'ai entendu parler de Spike Jonze, c'est par Björk. La prima volta che ho sentito parlare di Spike Jonze, c'est Björk che me l'a parlato. Qui m'a dit, il y a un jeune gars en Californie qui fait des films comme toi. Des films comme les fais tu. Après, on s'est rencontrés. Et il a connu Charlie Kaufman avant moi. Et puis, ci siamo incontrati e lui ha conosciuto Charlie Kaufman prima di me. Et après, il m'a présenté à Charlie Kaufman. Et puis, lui mi ha presentato a Charlie Kaufman. Et après, les gens ont dit que c'est moi qui avais copié Spike Jonze. Et puis, lui a dit que c'est moi qui avais copié Spike Jonze. Et ça m'a rendu furieux. D'ailleurs, dans son premier film, Spike, le jour de la première, est venu me voir et m'a dit qu'il avait copié mon style pour une séquence. Et durant la présentation du premier film, Spike est venu me voir et m'a dit que lui m'avait copié mon film pour la première séquence. Je dis ça parce qu'il ne m'entend pas. Lo sto dicendo perché lui non è qui ad ascoltare. Mais c'était pour Ben Jamakovic. Et il y avait une séquence où ils allaient dans la tête. Des souvenirs de Jamakovic et il y avait une histoire de bus et toutes les perspectives étaient changées à chaque fois qu'il passait d'un décor à l'autre. C'era una storia nella quale andavano nella testa di Jamakovic, c'era una storia di autobus che cambiava. La perspective change. La perspective ogni volta che il bus passava. Quand il passe d'un décor à l'autre, la perspective est différente. Un piano all'altro, la perspective era diversa. Era diverso, verticale e orizzontale. Et j'avais fait ça pour un clip juste avant. Il l'avevo appena fatto per un videoclip poco prima, poco anzi. Et j'étais très énervé et j'ai eu une angine pendant 3 semaines. E volevo sapere se ci sono dei limiti o un metodo che ti poni quando, per non perdere il controllo sulla narrazione quando stai usando tutte queste tecniche, diciamo, particolari. Oui. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'essaie de donner toujours le plus de liberté possible à l'acteur et de ne pas le contraindre dans un univers. Tento di lasciare sempre più libertà possibile all'attore, non constringerlo e limitarlo ad un unico universo. Et même si un environnement très riche et fourmillant. Et anche se c'è un ambiente molto ricco e pieno di elementi. J'essaie de me focaliser sur le jeu des acteurs. Tento di focalizzarmi, concentrarmi sul gioco della recitazione degli attori. Et, mais aussi, parfois, je me dis que j'ai peut-être trop d'idées et justement, je vais essayer dans l'avenir par exemple, dans The Wind in the Eye, il n'y a pas d'effet, je me concentre que sur l'histoire. Par exemple, mi dico per la volta che ho troppe idee e devo concentrarmi sulla storia. Par exemple, The Wind in the Eye. Non ci sono elementi esterni, mi concentro sulla storia. Mais c'est un dilemme, parce que en même temps j'ai envie de pouvoir exprimer des choses très personnelles à travers cette richesse d'image. Però è un dilemma vero, perché a volte ho voglia di esprimere molte cose attraverso questa ricchezza di immagini. Et d'un autre côté, j'ai envie de toucher le plus possible les gens à travers l'histoire. E d'altra parte ho voglia di colpire il più possibile lo spettatore attraverso la storia. Et par exemple, les critiques françaises ont tendance à ne pas aimer les films qui ont trop d'aspects visuels. Par exemple, les critiques françaises, spesso, non aiment les films qui ont trop d'aspects visuels. Parce qu'ils sont trop encore influencés par la Nouvelle Vague. Ils sont encore trop influencés par la Nouvelle Vague. Qui était une copie du néo-réalisme. Qui est une copie du néo-réalisme. Mon opinion. Secondo me. Facciamo forse un'ultima domanda dalle altre sale e poi passiamo anche alle domande di questa sala. Une dernière question des autres salles, après on ouvre la question de la salle. Je voulais savoir pourquoi avez-vous choisi Noam Chomsky et peut-être vous l'expliquez dans les films, mais je n'ai pas eu la possibilité de le voir à nouveau, je l'ai vu seulement une fois, c'était compliqué. Et pourquoi les dialogues? Pourquoi les dialogues? Oui, la forme du dialogue. Pourquoi avez-vous choisi la forme du dialogue? Ah oui. Alors,
J'ai voulu faire un film avec Chomsky parce que c'est, à mon sens, le seul personnage vivant qui ait un travail aussi groundbreaking, aussi pointu, que ce soit au niveau scientifique qu'au niveau politique. Ho voluto fare un film con Chomsky perché secondo me è l'unica persona vivente che faccia un lavoro così completo, avanzato a livello politico e scientifico. E anche scientifico. Parce que beaucoup de par exemple de savants qui sont très des génies ou très avancés disent des choses très banales sur la politique ou sur les affaires humaines, sur la société. Les ricercatori qui sont molto riconosciuti spesso dicono delle cose molto banali sulla società o sulla politica. Et tous les politiciens ou les gens qui s'occupent des affaires internationales ne connaissent rien à la science. Di base, nessun politico o responsabile degli affari internazionali conosce qualche cosa della scienza. Et Noam Chomsky est considéré comme le Einstein de la linguistique, donc c'est un savant immense. Noam Chomsky est uno scienziato immenso, è considerato come l'Einstein della linguistica. Linguistica. Et son approche politique est aussi détaillée et critique et forte. Et son approche politique est anche molto dettagliato, critico et forte. Et le dialogue. Ça permettait, mais il fallait bien que je parle un peu parce que sinon il parle tout le temps. Et pourquoi j'ai choisi la forme de dialogue? Parce que je devais parler un peu, sinon c'est toujours lui qui parle. Domande in sala. Io vorrei tornare sulla questione del documentario. Tu hai detto che è un modo per ingannare lo spettatore. Più che una domanda è una provocazione. Nel momento in cui si sceglie di raccontare qualcosa, è sempre la visione che noi abbiamo del mondo nel tuo caso, che tu hai del mondo che fornisci allo spettatore. E anche, hai detto tu, all'interno di un dialogo, quando due persone parlano, c'è spesso un qui pro quo, un fraintendimento. Perché il montaggio invece nel caso del documentario deve essere un inganno? Anche un piano sequenza, scegliere un'unica inquadratura vuol dire fornire un punto di vista. Perché nel documentario il montaggio deve essere per forza inganno e non semplicemente la nostra visione della cosa che forniamo al mondo? Je dis pas que tous les documentaires sont des mensonges et manipulateurs. Ce que je dis, c'est que la forme documentaire suscite une crédibilité totale du spectateur. Surtout si on voit une personne qui parle, qui vous parle. Et si on manipule ça par le monde, si c'est un plan séquence, il n'y a pas de manipulation. Mais je peux vous donner un exemple très précis. Et il y avait un documentaire américain qui était très connu, qui s'appelait Spellbound. Spelling Bee. C'était sur les compétitions américaines que les enfants font pour épeler les mots. C'era un documentario americano sulle competizioni che fanno i bambini americani per fare lo spelling delle parole. E il y a 10.000 participants e il y a un gagnant. E ci sono 10.000 partecipanti e un vincitore. Ce documentaire était très très populaire. Et en fait, ils avaient choisi 16 participants depuis le départ
et on les suivait pendant les 6 mois qui précèdent la compétition. Il documentario avevamo scelto di seguire 16 partecipanti dall'inizio del film e seguivano alla fine della compétition. Et c'était très intéressant parce que on voyait comment certains enfants étaient forcés par leurs parents, comment d'autres voulaient gagner pour aider leurs parents, etc. C'était très intéressant parce qu'il vedeva che certi bambini erano spinti dai genitori, altri volevano vincere per poter aiutare i genitori. Et ils étaient interviewés sur leur espoir de gagner, sur leur ambition, etc. Et après, on les voyait chacun au milieu des 10 000 autres passer et certains, et donc ils perdaient. Et puis, on les vedevamo à travers tout le groupe, certains di loro perdevano, ovviamente. Mais il y en a une parmi les 16 qui était la gagnante. Et je me suis dit comment ils ont réussi à choisir dans ces 16 celle qui allait gagner. Parce que c'est vraiment l'impression qu'on avait. Et je me disais que le réalisateur il était psychique. Il avait une vision. Et la réalité, c'est qu'ils ont pris la gagnante et qu'ils l'ont refilmée après en faisant semblant que c'était filmé avant. Ah, en réalité, ils ont pris la ragazza qui avait vinto et l'ont filmée après, facendo finta che l'avessero filmata. Alors qu'elle aurait dû parler au passé. Et expliquer son expérience au passé, elle en parlait au futur. Et donc, dans le montage, on avait l'impression qu'elle était filmée en même temps que les autres. Et comme j'ai cru, quand j'ai appris que c'était fait comme ça, j'étais absolument furieux. Et qu'on retrouve très souvent dans les documentaires. Voilà un exemple. Prima diceva, non so se i miei film sono riusciti o meno. E allora... Ouais, c'est qu'ils sont peut-être ratés alors. Alors forcément, sont réussis. Ils sont... Il y avait... Je ne fais jamais de citation, mais comme c'est la seule que je connais, que c'est italien, il y a Marco Ferreri qui a dit une fois, en français, il a dit « Mes films ils sont peut-être ratés, mais ils parlent de quelque chose. » Et non, faccio la citazione, ma di questa la faccio, di Marco Ferreri. I miei film forse non sono riusciti, però almeno parlano di qualcosa, l'ha detto Marco Ferreri. Et j'aime beaucoup Marco Ferreri. Un'ultima domanda, se posso fare. Una era una curiosità, sì. Una curiosità, c'è l'intenzione, la possibilità di fare un nuovo lavoro con la Kaufman? E poi se ci potete dire qualcosa sulla casa, sulla città del cinema che vuole creare nelle periferie di Parigi? Ok, allora avec Charlie Kaufman, pourquoi pas? Moi j'aimerais bien, mais je crois que lui il a plutôt envie de réaliser lui-même. A me piacerebbe, ma mi sembra che lui abbia piuttosto voglia di realizzare da solo. Mais quand on me demande ça, j'ai toujours l'impression que les gens pensent que tous mes films sont nuls sauf ceux que j'ai fait avec Kaufman. Ma cosa che quando si domanda, ho l'impressione che la gente pensa che tutti i miei film fanno schifo, tranne quelli che ho fatto con Kaufman. C'est vrai. Ma non, c'est vero. Et pour les îles de films que je veux faire à Paris, c'est un système où on propose une vingtaine de petits décors. Quello che vorrei costruire e fare a Parigi è un po' complicato da spiegare. Allora, è un sistema nel quale si propongono circa 20 decors. Des petits décors. C'est pas comme du vrai cinéma du tout. Non, non, il est vrai au cinéma. Et les gens viennent en groupe et c'est pas des gens qui font... Et la gente viene in gruppo. Et
c'est pas du tout des gens qui veulent faire du cinéma, c'est n'importe qui. Non, gente che vuole per forza fare cinema. Chiunque. Ils écrivent une histoire ensemble en se mettant d'accord sur tous les éléments de l'histoire. Scrivono una storia assieme mettendosi d'accordo su tutti gli elementi della storia. Il n'y a personne qui prend une décision pour les autres, c'est une sorte de démocratie. Una specie di democrazia, nessuno prende una decisione così al posto degli altri per tutti. Après on leur passe une caméra et ils tournent dans l'ordre de l'histoire. E dopo gli diamo una telecamera e girano in ordine con la storia. Et donc il n'y a pas de montage et ils regardent le film à la fin. Et c'est juste, ça s'arrête là. Et basta. Et c'est une expérience pour montrer que les gens peuvent construire des choses de manière complètement autogérée, c'est-à-dire sans autorité extérieure. C'est une expérience pour montrer que les personnes peuvent construire des choses en mode totalement autogestito, sans que quelqu'un décide pour eux. Parce qu'ils font exactement ce qu'ils veulent, on ne leur dit pas comment ils doivent faire les choses. Ils font ce qu'ils veulent, non, et non, ils viennent dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire. Ce qui fait que quand ils regardent leur film, c'est toujours distrayant. Parce qu'ils sont dedans et toutes les erreurs, ils rigolent de leurs erreurs. Et così, quand ils vedono i loro film, si divertono, e divertente perché vedono tutti i loro errori, si vedono dentro e capiscono i loro errori. Et c'est pas du tout une école de cinéma. E non è assolutamente una scuola di cinema. C'est plutôt une expérience sociale. Un esperimento sociale, diciamo. Mais dans les années 70, il y avait une imbrication entre le cinéma français et italien qui m'a beaucoup plu. Ma negli anni 70 c'era un rapporto molto stretto tra cinema francese e italiano che mi piaceva molto. Comme par exemple la grande bouffe de Guarnieri. Et où il y a des deux acteurs français et deux acteurs italiens et c'est vraiment avec ça que j'ai grandi. Nel quale c'erano due attori francesi e due italiani, io sono cresciuto con questo veramente. Donc, je suis désolé, je peux plus en parler au passé qu'au présent. Mi dispiace, posso parlarne solo al passato. E non al presente. Mais j'aimerais bien faire un film alla Cinecittà. Però mi piacerebbe fare un film alla Cinecittà.